C'est vrai que c'était des conditions difficiles aujourd'hui. Les essais, c'était vachement. Il pleuvait beaucoup, donc ça collait pas, tu vois. C'était liquide la boue. Mais après, ça s'est arrêté de pleuvoir, donc là, ça a vraiment collé. On a fait des choix, ouais, de pneus en première manche. Et malheureusement, quand j'ai passé la grille, j'ai tapé et ça m'a complètement ralenti et j'ai chié mon départ complet. J'étais dégoûté d'apprendre en première manche dans des conditions pareilles. Je me rappelle, il a dit là l'année dernière et cette année, j'ai fait des super départs et c'était la clé aujourd'hui. Et malheureusement, j'ai pas réussi en cette première manche. Et après, ouais, les projections, le casque super lourd et tout, les lunettes, c'était compliqué. Mais bon, j'ai réussi à rester sur mes roues et bon, je fais 4. C'est décevant parce que voilà, je voulais marquer le plus de points possible, mais bon, j'ai pas été à la hauteur. Et en deuxième manche, je fais 3. Donc c'est vrai qu'au niveau résultat, c'est pas extraordinaire, même si c'est un podium encore une fois. Comme Francky me disait, je crois que j'ai raté le podium qu'une seule fois cette année. Donc c'est vrai que ça a été une bonne saison régulière, moins de victoires que l'année dernière. Et puis Domac aussi très en forme. Donc ça a été une saison difficile, mais. Voilà, je me suis donné et c'est parce que j'avais. Ouais, ben c'est sûr que là j'étais en train d'écrire à mon frère Mika et c'est vrai que ça fout les boules de faire deuxième, mais voilà, si je regarde en arrière, si on m'avait dit ça il y a 2 ou 3 ans, c'est vrai que j'aurais signé direct, hein, mais voilà, on travaille dur pour essayer à gagner et puis je suis dans de bonnes positions aussi pour être à ce niveau-là et remporter des championnats. Donc on va encore se donner à fond l'année prochaine. Le mois de septembre va être vachement cool, donc on va remonter sur la moto pendant quelques semaines là et prendre du temps libre et puis je vais rattaquer le Supercross pour être en forme à Monster Cup. On pourrait parler des nations pendant des heures, hein. Ouais, non, c'est mais bon, c'est pour ça que j'ai fait ça, ma vidéo et que j'ai posté pour que les gens sachent la vérité et que ce soit très clair. Rien faire à la maison là quand on rentre, ça va pas être trop mal.